Bonjour à tous, c'est Tony Montana. Bon, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment re-avoir accès à sa clé USB, sa micro SD ou une SD. Voilà, quand le formatage fonctionne pas avec Windows ou que le disque dur, n'est, la clé USB n'est pas reconnue dans sa totalité en termes de capacité. Bon, bah, vous allez sur ce site, il sera dans la description. Une fois sur ce site, vous allez dans téléchargement, vous téléchargez SD Association. Voilà, donc c'est compatible avec Windows et Mac. Donc on peut voir, il y a quasiment tous les OS. Voilà, donc vous cliquez sur Windows, enfin en l'occurrence, moi je clique sur Windows parce que le mien est un Windows. Après, si vous avez un Mac, vous cliquez sur Mac. Vous allez tout en bas de la page, vous acceptez. Voilà, vous commencez le téléchargement. Une fois que bah, c'est téléchargé, vous allez sur le document, vous l'ouvrez pour l'installer. Donc voilà, on n'est pas obligé d'extraire, moi j'ai juste exécuté. Après voilà, je ferme les pages pour que ce soit plus propre. Voilà, donc après bon, c'est un peu comme d'habitude, on accepte, suivant, suivant, suivant. Voilà, après là aussi c'est pareil, on accepte. Et là aussi on accepte. Voilà. Bon, l'installation est très rapide. Bon, après ça dépend de votre ordinateur. Là on vérifie bien la lettre. Qu'on n'efface pas la mauvaise si par exemple on a plusieurs clés USB sur l'ordinateur. Donc voilà, j'ai vérifié c'était la bonne lettre. Là donc je vais pouvoir procéder au formatage. Donc bah évidemment, comme son nom l'indique, formatage dit que bah, forcément vos données seront effacées. S'il y avait des données, voilà. Donc voilà, après c'est plus ou moins rapide, ça dépend de votre PC. Là en l'occurrence, ça c'est déjà terminé. Donc voilà, après on ferme l'installation, le programme et on voit que j'ai accès déjà à la clé USB. Donc là, ça y est, je suis à l'intérieur et on va même voir que je peux formater, enfin Windows peut formater la clé USB. Donc j'ai repris possession en fait complètement de la clé. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire ou vous abonner. Merci à vous.